tout le monde, c'est Duck Nukem 49. Alors aujourd'hui, on va essayer de reproduire en fait l'effet d'un enchantement sur qui est appliqué sur les bots en général et qui a pour objectif de ben non, de pas aller dans l'eau justement, c'est de pouvoir transformer le cube d'eau qui se trouve sous nos pieds en glace. Donc on va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors on va essayer de faire vite. Donc là on va bien quand je marche. Eh bien en fait, ça ne fonctionne pas parce que pour transformer l'eau en glace, il nous faut généralement voilà, des bottes comme ça. Avec semelle givrante, là il est au niveau 3, c'est un enchantement. Et du coup, quand on marche, je ne sais pas pourquoi, mais des fois ça marche pas. On saute d'un bloc, ça marche pas. Il faut vraiment être au même niveau que l'eau pour que ça fonctionne. Parce que si je saute de là, ça marche pas. Il faut vraiment, avec ces bottes-là, donc c'est vrai que l'effet du craquement est super rapide. Il faut être au même niveau que l'eau pour que ça fonctionne. Et du coup, on se retrouve avec une sorte de fil. Donc, qui est facile à faire, hein, avec un fil tout autour de nous qui remplit des blocs avec un âge limité, et donc après ça transforme l'eau en glace, et elle se craquelle assez vite d'ailleurs. J'ai pas trouvé le tic nécessaire pour ça, je pense que c'est... Je sais pas. Peut-être qu'il faut une valeur négative, je sais pas. En tout cas, ce qui est chiant avec ces bottes-là, c'est que si on saute d'une certaine hauteur, eh ben, ça marche pas. Il faut vraiment être, avec ces bottes-là, au même niveau que l'eau pour que ça marche. Alors du coup, on va faire, dans cette vidéo-là, une substitution en créant nos propres bottes qui vont remplacer cet effet-là. Pour commencer, dans ce commande bloc-là, donc j'appuie sur le petit bouton et ça me donne des bottes. C'est juste un give, donc ça me donne des bottes en cuir que j'ai appelé Ice Boots, en couleur or, et en commentaire, elle transforme l'eau en glace. Voilà. Elles ressemblent à ça. Voilà. Elles ont rien de particulier, à part que le nom est en couleur et qu'il y a une description, elles transforment l'eau en glace. Elles ont rien d'autre comme attribut. Elles n'ont pas l'effet comme celle-là, semelle givrante 3. Nous, on va créer cet effet-là d'une manière invisible avec des commandes. Donc, dans un autre commande bloc, ici, j'ai mis un execute de l'entité qui a dans l'inventaire des bottes en cuir. Dans le slow 100B, donc le slow 100B correspond en fait à ce slot-là, c'est-à-dire où on met en fait les chaussures. Où on met les chaussures. On revient ici, voilà, donc au slow 100B. Donc en fait, il vérifie que tous les joueurs qui ont en fait des bottes dans ce slow, dans le slow des bottes, qui soient en cuir et dont le nom est Ice Boots. Et évidemment, dans le name, on est obligé d'utiliser en fait du JSON, sinon ça marche pas. Donc il faut que je reprenne exactement le texte, donc texte Ice Boot, et la couleur. Parce que si je mets que le texte, il va pas les trouver en fait, puisque la balise comprend le texte et la couleur. Donc je suis obligé de reprendre les éléments de la création de mes bots. Et donc, une fois qu'il a fait, il a trouvé ça, il démarre une fonction que j'ai appelée eau en glace, tout simplement. Donc, si il trouve les bottes, ces bottes-là, donc nos bottes à nous, Ice Boots, ici, eh bien, en fait, il démarre une fonction. Donc, la fonction, elle est là, eau en glace. Qu'est-ce que fait la fonction? Elle exécute donc à la position du joueur. Si le bloc en dessous de lui, donc Y-1, est de l'eau, alors il lance la création d'un bloc en dessous de lui, d'un cube de glace, donc un Frosted Ice, parce que ça ne marche pas avec Ice tout court,
Parce que l'ice, en fait, ne possède pas de NBT, en fait. Il n'y a pas de tag. Et j'ai mis pas mal de temps avant de comprendre qu'en fait, et ce tag-là, parce que j'ai joué justement avec l'âge, il marchait que pour le Frosted Ice. Et donc, du coup, bah, dans le Frosted Ice, je mets entre les accolades âge 3S. Alors, quand on va sur le Minecraft.gamepedia.com, donc il explique bien ici que l'effet du Frostwalker, en fait, c'est un enchantement. Et nous, bah, ce qui nous intéressait justement, c'est la data value de ce bloc-là, qui est l'âge, parce que c'est rare d'avoir des blocs avec des simples blocs avec un tag. Et donc j'ai trouvé là le block state, c'est l'âge. Donc 0, si on met 0, ben en fait il est gelé en permanence. Donc c'est comme si on pesait un cube, tout ce qui est de plus banal. Et là il conseille entre 1 et 3. Donc ça c'est la vitesse de craquement en fait de la glace. Moi ce que j'en définis en fait c'est que 1, ben, ça craque lentement. Et 3, ça craque plus vite. Après, pour avoir le même effet de craquement, c'est-à-dire le même effet de vitesse de craquement que l'enchantement, bah, j'ai pas cherché plus loin que 3, moi. Si j'ai essayé 200, mais j'ai pas vu grande différence. Peut-être qu'il faut vraiment des valeurs extravagantes, mais bon. Apparemment, ce qui est compris, donc peut-être que c'est pas été mis à jour, ce qui est compris, c'est une valeur entre 1 et 3 pour avoir l'effet de craquement de la glace. Parce que j'ai tout essayé, hein, histoire de mettre du feu invisible, j'ai essayé un tas de trucs. En fait, il fallait juste changer l'âge. Et donc, vu que lui, il détecte si on a ces bottes-là, j'ai juste mis un comparateur. Ça sert à rien. C'est juste pour nous dire qu'il est en fonction. Donc là, on voit bien qu'il n'est pas activé. Il n'exécute pas notre fonction. Haut en glace. Si je mets mes bottes, Ice Boots, hop, on voit qu'il est activé. Et donc, comme la fonction indique qu'il transforme l'eau en dessous en glace, eh ben. Contrairement à l'effet, comment dire, de l'enchantement, où on est obligé d'être au même niveau de l'eau pour que ça fonctionne, eh ben, nos bottes magiques, elles s'en foutent complètement. On peut sauter, elle reprend. On peut venir du ciel. Et on va pas tomber. Et regardez l'effet de craquement. On voit bien que la glace craque. Donc voilà, ce serait le même enchantement en fait, mais et en un peu plus classe. Bon, après, on peut très bien remplacer le set bloc par un fil à la position relative du joueur. Justement, je voulais nous démarquer un peu cette idée-là et faire juste un bloc en fait. Qui est plus moi je trouve ça plus classe quoi. Donc voilà, on se déplace sur l'eau sans problème. Et qu'on soit à la même hauteur ou pas, eh ben, il y aura de la glace. Contrairement aux bottes qui ont cet enchantement-là. On a un effet de cracking qui est un petit peu moins prononcé. Elle met plus de temps à se craquer la glace. Bon, après, rien ne vous empêche de faire des tests, hein. Moi j'ai essayé 3S ici, ben ouais, je sais pas, il faudrait peut-être une grosse valeur, genre 2000S pour voir. On va essayer que 2000, je suis pas sûr. Bon, ça va pas plus vite pour autant. Vous voyez bien, ça va pas plus vite pour autant. On va essayer une valeur négative, j'y crois pas non plus. Moins 3S par exemple. Je sais même pas si le S c'est single, je sais même pas si on peut le faire en fait. Ça se tombe, ça va bugger. Ah ouais. Non, ça bug pas. Par contre, je pense pas que l'effet. Ah si, même en valeur négative, il y a toujours un effet de craquement apparemment. Il y a toujours un effet de craquement. On va essayer d'en mettre un peu plus. On va mettre moins 30. Je reload ma fonction.
Non, même avec une plus grande valeur négative, je pourrais, j'ai pas l'impression que ça craque plus vite. Pas, c'est qu'une impression. On va essayer moins 3000. Oh, moins 30 000. Allez, on est ouf. Je reload. Allez, on essaye. Alors, à moins 30 000, il se passe plus rien du tout. Ah si, ça craque très très lentement. Voilà, vous pouvez jouer avec ces valeurs-là, mais bon. Moi, je trouvais que le 3, c'était pas mal. Donc voilà. Donc, je vais vous mettre absolument tout ce qu'il faut dans la description. Donc, la commande pour avoir les bots. La commande à mettre donc dans un bloc en répétition. Un conditionnel toujours actif qui fait une condition de vérification des bots et exécute la fonction haut en glace. Et je vous donnerai aussi la ligne qu'il y a dans haut en glace. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire des petites bottes bien sympas qui transforment l'eau en glace et qui craquent. Voilà. Ah ben, on verra une autre bidouille dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt. Bim bim bim.